Bon, très bien. Et pourquoi pas? Ça peut être une technique de séduction, parce qu'on a beaucoup à apprendre de nos animaux. Ajuster sa crinière, être malin comme un singe, ou encore faire le coq. Autant de comportements que l'on adopte pour séduire. Et si les animaux étaient plus doués que nous en matière de séduction, eh bien, on en parle aujourd'hui. André, je suis certaine que pour séduire, vous faites très attention à votre plumage, enfin à vos cheveux, en tout cas, un petit coup de peigne. Ouais, un petit coup de doigt dans les cheveux, ben oui. C'est normal puisque, André, vous êtes un animal comme les autres, finalement. A priori, il y aurait autant de techniques de drague que d'espèces. Ah, Laurent Galinon nous dit tout. Dans quelques jours, le printemps, la saison des amours chez les animaux. Biche, ma biche, lorsque tu soulignes, au crayon noir tes jolis yeux. Alors que ce soit une histoire d'une vie ou d'un soir, les animaux ont un besoin impérieux de s'accoupler et donc de séduire. En fait, la parade amoureuse chez les animaux, c'est un peu comme pour nous. On se met sur son 31, on se maquille, on se parfume, on danse et on se fait même des cadeaux. Oh merci pour la branche, je ne l'avais pas celle-là. Oh, vous rigolez, c'est normal. Et qui dit séduction dit compétition, comme chez les cervidés. En bref, toutes les astuces sont bonnes pour conquérir la femelle. Sauf que dans beaucoup d'espèces, c'est la femelle qui choisit son jules. Eh oui, pour cela, le mâle passe un casting. Odeur, couleur et puissance du chant ou du cri. Car chez les animaux, comme chez les humains, il y a des canons de beauté. Cherche reproducteur idéal, sportif et bon guerrier. Plan d'un soir, s'abstenir. La lionne, par exemple, choisira un lion à la crinière sombre, signe de bonne nutrition et d'un taux de testostérone élevé. La louve, elle, choisira un chef de meute, mais surtout un bon chef de famille. L'araignée, elle, se pose beaucoup moins de questions. Si elle n'aime pas votre façon de draguer, elle vous mange tout cru. Bon, après avoir fourni tant d'efforts pour trouver avec qui s'accoupler, comme nous, certains animaux se mettent en couple. T'étais où encore? T'as traîné au bistrot, hein? Je te préviens, c'est la dernière fois. Sur le podium des couples fidèles, les cygnes, les manchots et évidemment les inséparables. Alors, tourtereau ou chaud lapin, les animaux sont-ils plus doués que nous pour séduire? Je sais pas, les manchots, il y a des gays, il y a des couples. Bah peut-être, peut-être. Je sais qu'il y a des fous d'animaux qui nous regardent et qui vont me dire bah oui. Pourquoi se poser cette question? Bah si, bah on va regarder quelles sont leurs techniques de drague et si on peut s'en inspirer. Alors, est-ce que les animaux ont des choses à nous apprendre? Pour discuter de tout cela, nous accueillons Emmanuel Puydebin qui est avec nous. Ben oui, Emmanuel, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. On est très fan d'Emmanuel. Puisque je vous la présente, je vous la représente. Emmanuel est chercheuse au CNRS, spécialisée en biologie animale, et vous êtes l'auteur de ce très beau livre, coup de cœur à la rédaction, l'Atlas de zoologie poétique aux éditions Artaud. On vous le conseille chaudement. Dans ce livre, vous consacrez, entre autres, un chapitre entier à la séduction chez les animaux. Voilà. Et il faut dire qu'il y a pas mal de choses étonnantes, entre autres, à quel point les animaux redoublent justement d'astuces, de ruses pour séduire. Ils sont hyper doués. Oui, oui, ils sont hyper doués. Puis il y a une grande diversité. Hein. On a des chanteurs, des danseurs, des mâles qui font des cadeaux. Des modeux, des bâtisseurs. Des cadeaux. Un style. Quelle race fait des cadeaux? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je n'en ai jamais rencontré. Alors, on va énumérer, mais il y en a. Est-ce que chaque espèce a sa technique de drague? Oui, on peut dire ça. Oui. Oui, oui, oui. À peu près. Alors, vous nous parlez d'exemple, par exemple, de l'araignée pan. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, l'araignée pan? Elle est toute. Non, elle est sublime. Regarde, elle est sublime. Elle est sublime. Elle est toute. Alors, petite, moi, je n'ai pas du tout peur des araignées. Non, je suis désolée si vous avez peur. Elle est minuscule. Oui, devant, ce sont ses yeux et en fait, derrière, c'est son abdomen. Mais regardez la beauté de l'araignée. Elle a sur son abdomen, donc vous voyez, elle a plein de couleurs. Alors elle fait une petite danse, là c'est assez résumé, mais elle fait des petites danses, elle fait des allers-retours, et en plus elle montre son abdomen, et comme vous voyez, il y a des couleurs qui sont irisées, ça brille, et en fait elle utilise l'orientation des rayons du soleil pour augmenter encore plus la charge colorée pour séduire les femelles. Les mâles ou les femelles les qui font ça? C'est les mâles. Alors comment s'en inspirer?
à part capter la lumière pour montrer son plus joli sourire, je ne sais pas, ou mettre des maquiller couleurs chatoyantes. Ouais, mettre de la couleur peut-être. Ouais, ou mettre visiblement, elle a beaucoup d'yeux. Oui. Donc on peut se rajouter des yeux. Oui, moi, vite, ça, je suis pas sûre que ça fonctionne. Oui, ben voilà. Hein. Voilà. Mais surtout, apprendre le hip-hop. Parce que là, il y a vraiment. Ah, bah là, en matière de chorégraphie, il y a un petit peu de travail. Ah non, elle est douée, l'araignée pan. Mais il y a également les acolytes de notre cher André Manoukian. On les écoute. Lady, je te veux. C'est très intéressant, hein. C'est intéressant. Il utilise le rythme. Alors justement, il utilise le rythme. Question pour vous. Alors, question. Justement, c'est passionnant et ce serait génial d'avoir un avis d'un chercheuse du CNRS face au compositeur André Manoukian. Quelle est la question? La question, ouais, en fait, chez les mâles cacatoès, déjà, j'explique un petit peu. Chaque mâle a son propre rythme. Il a été montré que chaque individu tape son outil pour faire de la musique différemment. Et on sait que les femelles identifient chaque mâle en fonction du rythme. Et le grand débat en ce moment entre scientifiques, c'est est-ce que c'est de la musique ou pas? Et est-ce qu'on peut vraiment reconnaître des rythmes différents? Alors, est-ce que l'oreille d'un musicien, parce que ça a été quantifié de manière statistique, etc., mais d'accord, est-ce que l'oreille d'un musicien peut repérer un rythme? Là, c'est clair et net. Voilà. Là, il fait cac, génial, tac, tac, et ensuite, bam, 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 avec un ralenti. Donc, en gros, il fait le rythme du jazz, shabada. Génial, c'est un jazzman, je le savais. C'est un jazzman. Je le savais. Mais vous êtes un cacatoès, alors. Chose. Mais non, mais c'est pas ça. C'est mais que... vous avez une technique de drague, c'est le jazz aussi. Vous êtes un cacatoès noir. C'est pareil. C'est un compliment. Mais oui. Alors, on va voir d'autres images. Emmanuel, c'est vous qui nous les commentez. Ils sont sécurisants. Ce sont des poètes. Regardez. Ah oui. Alors, là, on est chez les tétraodons ou les poissons globes. Et en fait, chez les poissons globes, alors lui, il est connu pour avoir un venin qui est juste mortel. Hein. Mais il est beaucoup moins connu pour ce que fait le mâle. C'est-à-dire que le mâle fait des constructions en fait circulaires, hyper symétriques, qui sont juste sublimes. Elles font 2 mètres de diamètre. Donc, il faut imaginer quelque chose de circulaire avec des petites dunes très symétriques. Il met des petits coquillages sur la... Regardez, vous voyez ses nageoires donc voilà, c'est avec ses nageoires qu'il fait ça. Hein. Donc, vous voyez, il creuse le sable. Je pense qu'à la fin, vous allez voir la sublime construction qu'il fait. Donc, il utilise ses nageoires pour faire des sillons dans le sable. Évidemment, ce n'est pas du tout aléatoire. Il fait une construction vraiment symétrique. Il va la décorer. Il va mettre des petits coquillages sur le sommet des petites dunes. Et au milieu de sa construction, vous allez voir, il y a un petit creux. Donc, vous voyez, ça fait 2 mètres de diamètre. Et non, c'est lui qui l'a fait. Et il fait une dizaine de centimètres. Hein. Ce n'est pas un poisson qui est très gros. Et ça fait à peu près 2 mètres de diamètre. Il met entre 7 à 9 jours pour faire ça. Hein. C'est pas... Ils disaient qu'ils produisent de l'art. Ah oui, c'est ça, c'est de l'art. C'est purement un architecte, un designer hyper chic. Une rosace. Il a du goût pour la décoration. Et alors, la femelle voit ça. Elle craque. Alors, c'est moche, pas toujours. Pour être honnête, pas toujours. Il s'est donné tout le côté un peu cruel. Non, pas toujours, heureusement. Mais ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que, et c'est là aussi, ça rejoint un peu d'ailleurs l'intérêt de la monogamie dans le monde animal, c'est qu'en fait, c'est pas que pour faire beau, il y a aussi une fonction. C'est-à-dire qu'au milieu, vous voyez, il y a un petit creux, il y a une petite cuvette. Ouais. En fait, quand ça fonctionne, quand ça plaît à madame, elle va pondre au milieu. Et on pense que les reliefs sont aussi là pour protéger les œufs des flux d'eau. Voilà. C'est sublime. Donc c'est pour plaire et en plus ça a une utilité. Donc, en même temps, il l'a séduit, en même temps, il fait comme Ulysse, il construit le lit nuptial. Exactement. Et en même temps, il construit la forteresse pour garder les petits. Mais est-ce que celui qui construit justement le plus beau nid, comme ça, qui prépare, ça nous ressemble un petit peu? Mais complètement. Ah, bah, y a plein de points communs. Technique de séduction. Technique de séduction. Ou un mec, il me montre un cercle, il me dit écoute, c'est pour mettre tes œufs. En revanche, quelqu'un qui a mis des jours et des jours pour décorer sa maison, c'est pour vous accueillir pour un dîner romantique. Il fait beau et utile hein, quand même là. Ouais. C'est pas mal. Hey, c'est vrai. Non, c'est pas poisson mal. Globe, pas mal, dis donc. Ouais, et puis, un venin mortel quand même. Oui, un truc qui est différent avec nous, c'est que maintenant les femmes aussi draguent. Est-ce que dans le règne animal, il y a des. Oui, c'est vrai. Qui veulent séduire en tout cas. Est-ce que les femelles aussi ont. Alors, des petits rituels comme ça pour draguer. Est-ce qu'on peut appeler ça séduction? Alors oui, alors il y a une technique qui est relativement abrupte pour certains animaux. Dans là, on voyait un chimpanzé, vous avez plein de primates qui vont directement montrer leurs fesses, femelles qui vont montrer leurs fesses pour leur montrer voilà, que c'est open. Open bar. Donc, c'est assez abrupt. C'est une bonne astuce. Ça a le mérite de gagner du temps. Ouais. C'est souvent les mâles. La plupart du temps, c'est les mâles qui vraiment font tout ce qu'ils peuvent pour, et c'est les femelles qui ont le choix.
Alors, vous allez nous commenter d'autres images, puisqu'il y a les joueurs de poker, les malins, les tricheurs. Je pense que vous voyez qui je parle. Alors, qui sont ces animaux? Alors, en fait, là, on est chez des oiseaux qui s'appellent des chevaliers combattants. Et il y a certains mâles qui ont une stratégie qui marche très, très bien. C'est qu'ils arrivent à modifier leur apparence extérieure pour ressembler à des femelles. Ce qui fait qu'ils s'insèrent dans les groupes de femelles. Ils se font passer pour des femelles. C'est travestis. Ouais, un petit peu. Et les mâles qui sont en concurrence avec eux s'en rendent pas compte. Donc, ils n'ont pas de la concurrence des mâles. Les femelles s'en rendent pas compte. Et dès qu'ils peuvent, ils s'accouplent avec la femelle. C'est vrai. Pourquoi ils faisaient ça dans les mariages? Ça marchait bien. C'est pas mal. Mais là, vous pouvez vous inspirer de tout, hein, les garçons. Pourquoi pas? Je vous montre des lémuriens, alors. Oui, c'est des lémuriens là, que vous montrez. Ce sont des lémures cata. Là, on est dans une société qui est vraiment basée sur un matriarcat. Donc, c'est les femelles qui gèrent, c'est les femelles qui dominent. Et en fait, là, dans ces groupes-là, les femelles, elles choisissent leur mâle, très clairement. C'est bien une société matriarcale aussi, j'adore, non? J'adore ça. Moi, je pense que c'est l'avenir de l'humanité et je milite pour. Mais ouais. Est-ce qu'il y a du plaisir sexuel chez les animaux? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de l'acte uniquement pour se reproduire et pour faire des petits, même si on est d'accord. L'aspect fondamental, c'est la survie. On prend quelques exemples. Alors, la chauve-souris. Écoutez bien ce qui se passe chez la chauve-souris. On ne dirait pas comme ça. Mais chez les roussettes, il y a des cas de fellation et cunnilingus chez les roussettes. Oui. Donc, c'est du plaisir sexuel, soit pour les préliminaires, soit à la fin de l'acte. Et là, il n'y a pas forcément. Pas forcément. Il n'y a pas forcément de lien avec la reproduction et le succès reproductif. Ils font ça à l'envers. Ils sont chauds. Les écureuils. Alors les écureuils, pareil, on dirait pas comme ça, mais les écureuils, ils aiment bien la masturbation, par exemple. Voilà. Donc rien à voir avec la reproduction. Ils sont dans le plaisir. Non, il y a du plaisir, bien sûr. Oui, ces petits écureuils qui sautent d'arbre en arbre. Il y a des cas d'orgasme aussi. Hein. On a prouvé l'orgasme chez les rats, par exemple. Les rats sont capables d'avoir un orgasme? Bien sûr. Comment l'orgasme vous avez pu savoir ça? C'est lié à des cas... C'est les yeux, ils se réunissent. Comment c'est possible? Au niveau physiologique, l'orgasme, c'est comme chez l'humain. Hein. Oui. Ça se repère hein, chez les animaux. Donc les contractions musculaires, leur cerveau, des hormones du plaisir. Les cris. D'accord. C'est les seuls, les rats, à avoir des orgasmes? Non, en tout cas, c'est les premiers chez qui on l'a démontré. C'était facile à observer. Les criquets? Ouais. Les criquets, pareil, il y a des cas de masturbation. Chez les criquets, chez les kangourous aussi. Ah bon? Ben oui. Chez les criquets, mais comment ils font ça? Mais en fait, tout ce qu'on fait, nous, on peut le retrouver dans le monde animal. Hein. On est des animaux. Hein. On est des mammifères, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a parlé de plaisir sexuel, de drague. Oui. Donc, ils nous ressemblent, c'est terrible. Y a et les sentiments, est-ce qu'on peut tomber amoureux dans le monde animal? Les manchots, oui. Les manchots, il y a des... Il y a de l'homosexualité masculine, féminine. Oui. Donc ils sont très fidèles. Il n'y a pas de lien avec la reproduction et la survie de l'espèce. Chez les lions aussi, non? Non. Non, pas trop. Ou alors ponctuellement. D'accord. Est-ce que quels sont les animaux qui tombent amoureux? Est-ce qu'il y a du sentiment amoureux? Alors, tomber amoureux, ça dépend comment... Là, il faut faire attention. Ça dépend comment nous, on va l'entendre. En tout cas, il y a des liens qui se créent entre des individus. Des couples qui durent. Des couples qui durent, oui. Il y en a beaucoup chez les oiseaux. Mais est-ce que c'est lié vraiment à un lien émotionnel très fort? Alors, je pense que certainement, dans certains cas, probablement que oui. Mais il faut faire attention aussi. Parce que dans le cas des oiseaux, la monogamie, par exemple, chez les inséparables ou chez d'autres, chez les cygnes, par exemple, c'est aussi lié avec le soin parental accordé aux œufs. C'est aussi de l'aide pour la survie des petits. D'accord. Donc ça aussi un intérêt pour la survie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien affectif entre eux. Hein. D'accord. Et il n'y en a pas certains qui se laissent mourir, justement, quand leur compagnon de vie... Complètement. Est-ce qu'il y a des animaux fidèles? Alors elle cherche. Emmanuel cherche. Le manchot est fidèle. Mais le manchot, moi, je suis fan du manchot. Il faut faire attention. C'est fidélité. Ça peut être de la fidélité pendant une saison de reproduction. C'est quoi la fidélité chez les animaux? La fidélité, ça va être de ne pas avoir plusieurs partenaires. Sur une saison. Alors, ça peut être sur une saison, ça peut être sur une vie entière. Il y a des cas de monogamie, par exemple chez les gibbons. Là, si on reste chez les primates, parfait. Il y a des cas de fidélité, donc c'est des animaux qui peuvent être en couple pendant des décennies. Après, on peut aussi parler de fidélité sur une saison de reproduction, un mâle qui va rester avec la même femelle. Hein, alors que la plupart, il y a que 10% de monogamie chez les mammifères. Ça dure combien de temps, une saison de reproduction? Chez les lémuriens, ça peut être 2 jours. Voilà. Non, il est fidèle pendant 2 jours. Je fais exprès, mais non, il y en a qui sont fidèles pendant 30 ans. Par exemple, les pandas qui n'aiment pas tellement s'accoupler. Je crois que c'est les pandas. Je crois qu'ils n'aiment pas tellement s'accoupler. Ouais, c'est tout. Ils sont pas leur truc. Ils n'ont pas une grande libido. Non, ils n'ont pas une grande libido. J'en sais rien parce qu'honnêtement, d'un point de vue purement évolutif, c'est une aberration pour la survie de l'espèce. Au même titre d'ailleurs, qu'ils sont exclusifs sur la consommation du bambou.
Donc au niveau évolutif, c'est mal barré. Du bambou. Il mange que du bambou. Il ne mange rien d'autre. Donc, je croyais que c'était une métaphore. Moi aussi, je vais le dire. Non, mais c'est parce que... Oui, donc c'est peut-être l'alimentation. J'y aurais pas pensé, mais c'est pas mal. C'est peut-être pourquoi ça nous est venu. D'ailleurs, est-ce que c'est vrai que dans certains zoos, pour qu'ils se reproduisent, on leur passe des scènes d'accouplement de pandas, c'est-à-dire des films érotiques de pandas? Oui, oui. Enfin, on fait surtout de l'insémination. Oui, c'est ça. On leur passe pas tellement de cassettes. Si, on peut, mais c'est surtout l'insémination qui va fonctionner. Marche aussi. Alors, pour vous, quel est l'animal qui a la totale? Le plus séduisant, celui... C'est André Manoukian. Il est musicien, Manuel, gentil. Ça suffit. Comment vous savez parler? C'est un animal magnifique. Ah, bon, et du côté vraiment des animaux? Ah, moi, je suis très amoureuse du poisson globe. Le poisson globe, vraiment le plus... Il y a le jardinier aussi, l'oiseau jardinier. Si vous ne connaissez pas, allez fouiller sur Internet. Il fait des parterres de fleurs et de fruits sur des thématiques de couleurs. Mais non. Donc, si, c'est sublime. C'est il fait une petite hutte. Et pour la femelle, il va faire un parterre de fruits rouges, des fleurs oranges, des fleurs roses. C'est un traiteur. J'adore. Il est traiteur. C'est magnifique. C'est passionnant. La séduction dans le monde animal, si proche de nous, finalement. Ce livre, on vous le conseille, Atlas de zoologie poétique aux éditions Artaud. Vous restez avec nous, on a encore beaucoup de choses à se raconter.